Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un tunnel de vente gratuitement en dépensant 0 euro, même pas un centime, et avec un tunnel de vente qu'on va pouvoir exploiter aussi longtemps qu'on le souhaite. Alors, c'est vrai que moi j'utilise System.io. System.io, c'est gratuit pendant 14 jours. On peut aussi créer des tunnels de vente avec WordPress, mais WordPress, c'est pas gratuit. C'est 40 au minimum un abonnement annuel d'hébergement, donc 40 euros par mois. Et en plus de ça, si vous voulez rajouter un thème de type Divi, etc., ça monte rapidement dans plusieurs centaines d'euros par an. Là, j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché des solutions pour vous répondre à cette question, est-ce qu'on peut créer un tunnel de vente gratuitement? Et j'ai réussi à trouver une solution 100% gratuite que vous pourrez exploiter tout le long de la vie de votre business. Dès lors que vous aurez un peu plus d'argent, bien sûr, vous passerez sur une solution plus efficace, plus adaptée. Mais déjà, là, on va pouvoir voir ensemble comment créer un tunnel 100% gratuit. Alors, pour pas que cette vidéo dure 3 heures, j'ai créé le tunnel directement sur l'outil en question. Et je vais vous montrer comment je l'ai exploité et comment je l'ai modifié. Donc, on va tout de suite aller voir ce tunnel. Donc moi j'utilise aujourd'hui, je vous disais, un système.io qui coûte 27 euros par mois qui me permet de gérer tous mes tunnels de vente. Et je ne passerai pas sur la solution gratuite, je vous assure, parce que c'est quand même beaucoup moins puissante que ce qu'on peut faire avec système. Mais j'ai trouvé une solution, on va utiliser Google Site. Donc dès lors que vous avez un compte sur Google, on va utiliser Google Site pour créer un tunnel de vente. D'accord ? Ce tunnel de vente que l'on va créer, qui est ici, tunnel ebook, il va être de la façon suivante. Alors moi j'utilise beaucoup Google Slides. Google Slides me permet déjà de faire mes e-books. Aujourd'hui mon e-book, le guide LinkedIn pour trouver des clients sur internet et sur LinkedIn a été fait sur Google Slides. Et en fait je le télécharge au format PDF pour pouvoir vous le distribuer. Donc on va utiliser 100% la techno Google. Déjà le guide pour pouvoir l'envoyer par email, pour pouvoir être téléchargeable, on va le mettre sur Google Drive. Et sur Google Drive, on va faire un lien vers ce guide PDF. On va créer un lien de téléchargement. Donc je clique sur partager. Et ici, je vais dire que toutes les personnes disposant du lien peuvent modifier ce fichier PDF. Donc je l'ai téléchargé sur mon Google Drive et je copie ce lien. Et dès lors que du coup toutes les personnes qui auront ce lien en téléchargement, en partage, pourront télécharger le guide le guide PDF. Donc déjà on a la capacité avec Google de partager des documents, que ce soit des PDF, des fichiers Excel, des vidéos, des audios et tout, de façon 100% gratuite grâce à Google Drive. Derrière, en fait, Google Site s'est vraiment amélioré. C'est un très très beau aujourd'hui outil de création de créateur builder. Alors je vais vous montrer le tunnel que l'on va créer ensemble. Donc en fait c'est un tunnel où on va pouvoir télécharger un livre blanc. Donc je vais cliquer, donc j'ai fait une page qui présente le livre blanc ici. Je clique sur télécharger mon e-book gratuit. Ça m'envoie vers un formulaire Google Form. Sur le formulaire Google Form que je remplis. Tac, donc le Google Formulaire, c'est gratuit aussi. Je remplis un formulaire pour télécharger mon e-book. Mon e-book arrive. Je reçois donc, grâce à Google Formulaire, de façon gratuite, mon e-book par email. Dans mon e-book, pour aller plus loin dans mon tunnel de vente, je vais leur vendre un coaching. On dit si vous souhaitez être accompagné, sachez que je vous propose une offre exceptionnelle de bienvenue en coaching. J'ai un lien ici qui clique vers une nouvelle page, toujours Google Formulaire de coaching personnalisé. Ne restez pas seul. Et là, je propose une offre. Donc, bien sûr, je les aurais plus détaillés si je voulais vraiment vendre ce coaching. Mais je propose une offre de coaching à 1450 euros, une autre à en coaching classique à 797 euros. Là, je clique sur mon bouton réserver mon coaching. J'arrive sur une page de paiement où j'ai créé un bouton PayPal. Je choisis mon offre à 797 euros. Je clique sur acheter. Sur acheter, du coup,
je peux acheter mon produit grâce à PayPal. Donc là, je reçois les fonds. Et dès lors que la personne a payé son sa commande, on arrive sur une page qui s'appelle Paiement validé, qui dit j'ai hâte de commencer avec vous, réservez mon créneau de coaching, et ça m'envoie vers un lien Calendly. Vous voyez, c'est un très beau tunnel de vente et 100% gratuit. Calendly, c'est gratuit. PayPal, c'est gratuit. Enfin, PayPal, bien sûr, ils vont vous prendre une commission. Ce n'est pas si gratuit que ça, mais pour mettre en place PayPal, c'est gratuit. Et Google Sheets, c'est gratuit. Et Google Formulaire, c'est gratuit. Et le petit plugin qu'on va utiliser sur Google Formulaire pour envoyer un email automatiquement est gratuit aussi. Donc, sur Google Sites, vous allez créer ici. Vous allez cliquer sur le plus qui est en bas à droite et vous allez créer un site. Donc moi, c'est mon tunnel pour download l'ebook avec le coaching. Ici, dans les pages, du coup, vous allez créer une page d'accueil au tunnel, une page de capture, une page de vente, une page de paiement et une page pour le paiement validé. Vous pouvez choisir ici un thème pour votre votre page. Bon, moi j'ai choisi Aristote pour faire ça. Donc c'est super simple. En fait, on a des modules ici. Donc là, ça arrive déjà. J'écris libérer la puissance LinkedIn pour trouver des clients. Juste ici, en fait, donc vous pourrez modifier votre logo. Donc j'ai mis mon logo. J'ai mis là, je vais mettre ebook LinkedIn. Là, j'ai inséré une vidéo grâce à ce module YouTube vidéo où en fait simplement ce module me demande l'URL de ma vidéo, donc j'ai sélectionné la vidéo, donc je peux mettre une vidéo qui présente l'ebook. Là, j'ai créé un bouton ici en disant que ça va, je vais envoyer vers la page de capture mon bouton. Donc là, j'ai créé mon bouton, je mets le nom récupérer mon ebook, mais bon, je vais pas le faire parce qu'il est déjà créé hein, mais récupérer mon ebook. Ce qui est super super sympa avec Google Sites, c'est que en fait c'est Google qui gère lui-même les contrastes pour les personnes avec des difficultés, avec une déficience visuelle. Vous avez dû aller, bon bah voilà, je mets mon bouton en mise en valeur 2 et puis c'est lui qui choisit les couleurs. Ça. Pour faire cette image là et ce texte là, bah, tout simplement j'ai choisi cette mise en page que j'ai glissée et déposée ici. J'ai changé l'image en l'important ici. Et j'ai changé mon texte et j'ai fait une liste à puces. Jusque là, c'est relativement simple. J'ai dupliqué mon bouton ici que j'ai inséré ici. J'ai changé du coup la couleur en standard à la place de la mettre en mise en valeur. Et j'ai utilisé une zone de texte que j'ai glissé ici pour dire il recommande cet e-book. Et j'ai pris cette zone là ici pour aller mettre les témoignages de Caroline, Sylvain et Martine. Et simplement, après, j'ai redupliqué ce bouton pour aller récupérer mon ebook. Donc, sur tous mes boutons, ça redirige vers la deuxième page, qui est la page de capture. Donc, c'est assez puissant parce que Google Site va tout de suite vous rendre votre site responsive. Donc, vous voyez que cette page, elle est totalement adaptée au mobile, totalement adaptée aux tablettes et totalement adaptée à un ordinateur. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, pour créer une nouvelle page, je clique ici, nouvelle page, et là en fait j'ai donc une page de capture. Il faut bien penser ici à cliquer là, vous aurez ne pas montrer dans la barre de navigation, parce que sinon regardez ce que ça fait, c'est que ça met un menu ici, donc on pourra accéder directement à la page de vente, la page de capture, etc. Donc il faut cliquer ici et ne plus afficher dans la navigation. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai créé sur Google. Hop là, je vais reprendre. Sur Google Formulaire, donc Google Form, j'ai créé un formulaire. Google Form, c'est gratuit aussi. Ici. Donc, il faut cliquer sur le plus là hein, pour cliquer. J'ai choisi la couleur, par exemple, mais je vais peut-être mettre plutôt un 0D, 0D, donc le noir de mon business. Et là, j'ai mis un titre, j'ai mis une adresse email, j'ai cliqué ici dans les options pour dire qu'il fallait collecter les adresses email dès lors qu'on les avait pour les comptes Google. Donc ça, c'est très puissant, ça me permet d'être sûr que les gens qui ont un compte Google ont le bon email. J'ai mis le nom, le prénom,
Donc là, j'ai simplement ajouté à chaque fois une question nom, prénom de type réponse courte, âge, et puis une petite question, que faites-vous aujourd'hui sur LinkedIn pour trouver des clients, de façon à vérifier qu'il n'y a que les gens qui sont motivés, qui remplissent cette page. Derrière, ça me permet d'avoir toutes les réponses des gens. Donc vous voyez, toutes les gens qui vont remplir le formulaire, directement, je vais avoir leur réponse ici. Le problème aujourd'hui de Google Formulaire, c'est que quand on clique sur envoyer, il n'envoie pas un email automatiquement. Il faut utiliser pour ça un plugin supplémentaire qui s'appelle Email Notifications Force Forms. Je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai installé. Qui me donne une option supplémentaire ici. Et je vais dire, en fait, sur la notification, je vais créer une notification d'email. Alors comme je suis sur la version gratuite, en fait, j'ai droit qu'à une seule règle, donc qui est déjà sur ce formulaire, et elle envoie jusqu'à 20 emails par jour. Donc avec 20 emails par jour, normalement, vous devriez pouvoir largement convertir. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas une question de logiciel, hein, c'est vraiment que vous avez un mauvais message ou une mauvaise promesse. Qu'est-ce qui fait en fait ce plugin? Tout simplement, il envoie un email. Ici, on va sélectionner. Donc on va dire. C'est votre ebook gratuit, on envoie de la part de mon email, de mon nom, etc. Et on va sélectionner ici, on va dire je vais envoyer une notification à la personne qui remplit le formulaire. Et pour l'email, on va utiliser Submitter Emails, donc les gens qui ont rempli le formulaire. Et ici, on a une option, éditer un email. Donc c'est cet email-là. On va, votre ebook gratuit est disponible. Bonjour, prénom. Là, j'ai ajouté en fait les champs. De mon les champs de mon formulaire. Comme convenu, vous trouverez ci-dessous le lien de téléchargement de votre e-book. Cliquez pour télécharger une copie offerte. Et ici, voici l'offre de coaching de bienvenue. Tout simplement, j'ai récupéré l'URL de ma page de vente de coaching, qui est celle-ci. D'accord? Donc pour la copier, j'ai simplement fait afficher le site publié. J'ai copié cette URL et je l'ai mise dans l'email. J'ai sauvegardé ma règle et donc gratuitement, je peux envoyer un email gratuit à toutes les personnes qui remplissent le formulaire jusqu'à 20 emails par jour. Donc voilà, il me reste que 15 personnes aujourd'hui qui peuvent remplir le formulaire. Donc quand même 20 emails par jour fois 20, ça fait 400 personnes par mois. Ça commence à être déjà une belle 400 nouvelles personnes qui s'inscrivent dans votre liste par mois. Ça commence à être quelque chose d'assez conséquent. Pour avoir la liste des réponses des emails, en fait, il suffit d'aller dans Réponses sur votre formulaire, cliquez ici donc Afficher dans les réponses de Sheets et vous avez toutes les adresses email qui sont affichées ici. Il existe, je ne vais pas vous le montrer ici, mais des modules complémentaires qui permettent ensuite d'envoyer des emails comme des newsletters à toutes les personnes qui sont dans un fichier Google Sheet. C'est une autre chose, mais on peut vraiment faire un business 100% gratuit en ligne. C'est un peu plus galère, enfin un peu plus faire de manuel, mais on peut se débrouiller à faire quelque chose de 100% gratuit grâce à Google. Donc là, j'ai ma page de capture. Donc comment j'ai fait pour insérer ce formulaire sur ma page de capture, tout simplement, j'ai cliqué sur insérer, formulaire ici, et j'ai sélectionné mon formulaire d'e-book. J'ai cliqué sur insertion. Je vais vous le faire en live. Tac, insertion. Et je l'ai agrandi. Faut bien cliquer systématiquement sur publier pour voir les images, hein, pour enregistrer les modifications qu'elles soient visibles. Donc là, j'ai mis remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger votre livre blanc. Et donc, dans cet email-là, si je vous remets, dans l'email, je leur disais qu'ils pouvaient télécharger leur e-book. Donc simplement, dans le lien, j'avais récupéré le lien que je vous ai montré tout à l'heure sur Google Drive de l'e-book. Et je leur propose d'aller sur une nouvelle page qui est la page de coaching personnalisé qui est celle-ci. Donc là, j'ai simplement fait une nouvelle page de vente. J'ai mis coaching personnalisé, j'ai inséré une image, j'ai mis un petit peu de texte grâce à cette mise en page.
ici à droite. Là, j'ai utilisé cette mise en page là pour présenter deux offres de coaching et j'ai fait un bouton pour réserver mon coaching et j'envoie vers une page de paiement. Cette page de paiement là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un lien ici, un lien PayPal, donc un bouton PayPal. J'ai généré un bouton PayPal pour faire mon offre de coaching classique, coaching 2 heures avec 797 ou 1450 euros. Donc j'ai utilisé tout simplement une option gratuite de PayPal. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous copiez votre code, ici il faudra remplacer top par blank. Vous allez voir là, il y a écrit target égale top. Et moi, ici, je l'ai modifié par target égale blank. Autrement, il y a un bug avec Google Site et vous ne pouvez pas avoir le bouton ne fonctionnera pas. Donc là, en toute honnêteté, si c'était une vraie page de paiement, etc., je mettrais beaucoup plus de choses. Je mettrais une garantie, je mettrais les logos des cartes bleues PayPal, je mettrais beaucoup de choses, je rassurerais énormément, je rappellerais qui je suis. Voilà, c'est pas une vraie page de paiement, mais c'était pour montrer qu'on peut quand même aller faire une page de paiement où les gens payent directement en ligne, juste comme ça sur un site Google Site. Et une fois que les gens ont payé et que le paiement est validé par PayPal, en fait, dans la configuration de mon bureau, de mon bouton PayPal, je leur ai dit, une fois que les personnes, on peut le faire, en fait, il y a une option, je sais pas si je peux le voir là, mais j'ai été déconnecté sur PayPal, mais on peut leur dire de renvoyer les gens vers une page de validation de paiement. Donc c'est la page paiement validé, qui est donc la dernière ici. Et sur la page paiement validé, je dis paiement validé, j'ai hâte de commencer avec vous. Prenez rendez-vous avec moi en choisissant votre créneau en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et en fait, j'ai créé mon petit bouton sur Calendly qui est gratuit aussi, de réunion de 15 minutes, etc. Donc là, si je copie l'adresse du lien et que je la mets dans mon bouton, si je publie et que je teste cette page, une fois que j'ai payé, j'arrive sur cette page-là, une fois le paiement validé par PayPal, je réserve mon créneau, ça m'ouvre la page de planification de flow et je dis je veux une réunion de 15 minutes. Le 31 à 9h30, confirme. Et là, je prends mon rendez-vous pour le 31 à 9h30. Donc voilà, on a créé un très beau tunnel 100% gratuitement. Et puis, il pourra vivre comme ça dès lors que vous n'avez pas besoin de plus de 20 emails par jour envoyés par le petit plugin gratuit. Après, vous pouvez payer du coup. Mais là, je vous conseille plutôt de passer sur une offre type système.io à 27 euros par mois. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vendre 100% gratuitement, sans vous prendre la tête, sans rien payer, pour tester un business uniquement en utilisant Google Sites. C'est une belle découverte. Je pense que je le testerai sur des business de temps en temps. De mon côté, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si ce genre de sujet vous intéresse, si vous voulez monter votre business en ligne, si vous voulez utiliser Internet pour avoir plus de clients, si vous voulez mieux comprendre la publicité sur LinkedIn, la publicité sur Facebook, faire des pages de vente optimisées, des tunnels de vente optimisés, je vous conseille vivement de vous abonner sur la chaîne parce que c'est vraiment ce qui me passionne, c'est vraiment ce que je vais vous partager sur la chaîne. Donc cliquez sur le bouton juste en dessous s'abonner et de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir comment créer un tunnel de vente gratuitement en dépensant 0 euro, même pas un centime. Et avec un tunnel de vente qu'on va pouvoir exploiter aussi longtemps qu'on le souhaite. Alors, c'est vrai que moi j'utilise système.io. System.io c'est gratuit pendant 14 jours. On peut aussi créer des tunnels de vente avec WordPress, mais WordPress c'est pas gratuit. C'est 40 au minimum un abonnement annuel d'hébergement, donc 40 euros par mois. Et en plus de ça, si vous voulez rajouter un thème de type Divi, etc., ça monte rapidement dans plusieurs centaines d'euros par an. Là, j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché des solutions pour vous répondre à cette question, est-ce qu'on peut créer un tunnel de vente gratuitement? Et j'ai réussi à trouver une solution 100% gratuite que vous pourrez exploiter tout le long de la vie de votre business. Dès lors que vous aurez un peu plus d'argent, bien sûr, vous passerez sur une solution
plus efficace, plus adapté, mais déjà là, on va pouvoir voir ensemble comment créer un tunnel 100% gratuit. Alors pour pas que cette vidéo dure 3 heures, j'ai créé le tunnel directement sur l'outil en question et je vais vous montrer comment je l'ai exploité et comment je l'ai modifié. Donc on va tout de suite aller voir ce tunnel. Donc moi j'utilise aujourd'hui, je vous disais, un système.io qui coûte 27 euros par mois qui me permet de gérer tous mes tunnels de vente. Et je ne passerai pas sur la solution gratuite, je vous assure, parce que c'est quand même beaucoup moins puissante que ce qu'on peut faire avec système. Mais j'ai trouvé une solution, on va utiliser Google Site. Donc dès lors que vous avez un compte sur Google, on va utiliser Google Site pour créer un tunnel de vente. D'accord ? Ce tunnel de vente que l'on va créer, qui est ici, tunnel ebook, il va être de la façon suivante. Alors moi j'utilise beaucoup Google Slides. Google Slides me permet déjà de faire mes e-books. Aujourd'hui mon e-book, le guide LinkedIn pour trouver des clients sur internet et sur LinkedIn a été fait sur Google Slides. Et en fait je le télécharge au format PDF pour pouvoir vous le distribuer. Donc on va utiliser 100% la techno Google. Déjà le guide pour pouvoir l'envoyer par email, pour pouvoir être téléchargeable, on va le mettre sur Google Drive. Et sur Google Drive, on va faire un lien vers ce guide PDF. On va créer un lien de téléchargement. Donc je clique sur partager. Et ici, je vais dire que toutes les personnes disposant du lien peuvent modifier ce fichier PDF. Donc je l'ai téléchargé sur mon Google Drive et je copie ce lien. Et dès lors que du coup toutes les personnes qui auront ce lien en téléchargement, en partage, pourront télécharger le guide le guide PDF. Donc déjà on a la capacité avec Google de partager des documents, que ce soit des PDF, des fichiers Excel, des vidéos, des audios et tout, de façon 100% gratuite grâce à Google Drive. Derrière, en fait, Google Site s'est vraiment amélioré. C'est un très très beau aujourd'hui outil de création de créateur builder. Alors, je vais vous montrer le tunnel que l'on va créer ensemble. Donc, en fait, c'est un tunnel où on va pouvoir télécharger un livre blanc. Donc, je vais cliquer. Donc, j'ai fait une page qui présente le livre blanc ici. Je clique sur télécharger mon e-book gratuit. Ça m'envoie vers un formulaire Google Form. Sur le formulaire Google Form que je remplis, tac, donc le Google Formulaire c'est gratuit aussi. Je remplis un formulaire pour télécharger mon e-book. Mon e-book arrive, je reçois donc grâce à Google Formulaire de façon gratuite mon e-book par email. Dans mon e-book, pour aller plus loin dans mon tunnel de vente, je vais leur vendre un coaching. On dit si vous souhaitez être accompagné, sachez que je vous propose une offre exceptionnelle de bienvenue en coaching. J'ai un lien ici qui clique vers une nouvelle page, toujours Google Formulaire de coaching personnalisé. Ne restez pas seul. Et là, je propose une offre. Donc, bien sûr, je les aurais plus détaillés si je voulais vraiment vendre ce coaching. Mais je propose une offre de coaching à 1450 euros, une autre à en coaching classique à 797 euros. Là, je clique sur mon bouton réserver mon coaching. J'arrive sur une page de paiement où j'ai créé un bouton PayPal. Je choisis mon offre à 797 euros. Je clique sur acheter. Sur acheter, je peux acheter mon produit grâce à PayPal. Donc là, je reçois les fonds. Et dès lors que la personne a payé sa commande, on arrive sur une page qui s'appelle paiement validé, qui dit j'ai hâte de commencer avec vous, réservez mon créneau de coaching, et ça m'envoie vers un lien Calendly. Vous voyez, c'est un très beau tunnel de vente et 100% gratuit. Calendly c'est gratuit, PayPal c'est gratuit. Enfin, PayPal bien sûr, ils vont vous prendre une commission, c'est pas si gratuit que ça, mais pour mettre en place PayPal c'est gratuit, et Google Sites c'est gratuit, et Google Formulaire c'est gratuit, et le petit plugin qu'on va utiliser sur Google Formulaire pour envoyer un email automatiquement et gratuit aussi. Donc sur Google Site, vous allez créer ici, vous allez cliquer sur le plus qui est en bas à droite et vous allez créer un site.
Donc moi, c'est mon tunnel pour download l'ebook avec le coaching. Ici, dans les pages, du coup, vous allez créer une page d'accueil au tunnel, une page de capture, une page de vente, une page de paiement et une page pour le paiement validé. Vous pouvez choisir ici un thème pour votre page. Bon, moi, j'ai choisi Aristote pour faire ça. Donc, c'est super simple. En fait, on a des modules ici. Donc là, ça arrive déjà. J'écris « Libérer la puissance LinkedIn pour trouver des clients ». Juste ici, en fait, donc vous pourrez modifier votre logo. Donc, j'ai mis mon logo. J'ai mis… là, je vais mettre « ebook LinkedIn ». Là, j'ai inséré une vidéo grâce à ce module YouTube vidéo où en fait simplement ce module me demande l'URL de ma vidéo, donc j'ai sélectionné la vidéo, donc je peux mettre une vidéo qui présente l'ebook. Là j'ai créé un bouton ici en disant que ça va, je vais envoyer vers la page de capture mon bouton. Donc là j'ai créé mon bouton, je mets le nom récupérer mon ebook, mais bon je vais pas le faire parce qu'il est déjà créé hein, mais récupérer mon ebook. Ce qui est super super sympa avec Google Sites, c'est que en fait c'est Google qui gère lui-même les contrastes pour les personnes avec des difficultés, avec une déficience visuelle. Vous avez dû aller, bon bah voilà, je mets mon bouton en mise en valeur 2 et puis c'est lui qui choisit les couleurs. Ça. Pour faire cette image-là et ce texte-là, bah, tout simplement j'ai choisi cette mise en page que j'ai glissée et déposée ici. J'ai changé l'image en l'important ici. Et j'ai changé mon texte et j'ai fait une liste à puces. Jusque là, c'est relativement simple. J'ai dupliqué mon bouton ici que j'ai inséré ici. J'ai changé du coup la couleur en standard à la place de la mettre en mise en valeur. Et j'ai utilisé une zone de texte que j'ai glissé ici pour dire « il recommande cet e-book ». Et j'ai pris cette zone-là ici pour aller mettre les témoignages de Caroline, Sylvain et Martine. Et simplement, après, j'ai redupliqué ce bouton pour aller récupérer mon ebook. Donc, sur tous mes boutons, ça redirige vers la deuxième page, qui est la page de capture. Donc, c'est assez puissant parce que Google Site va tout de suite vous rendre votre site responsive. Donc, vous voyez que cette page, elle est totalement adaptée au mobile, totalement adaptée aux tablettes et totalement adaptée à un ordinateur. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc, là pour créer une nouvelle page, je clique ici, nouvelle page, et là en fait j'ai donc une page de capture. Il faut bien penser ici à cliquer là, vous aurez ne pas montrer dans la barre de navigation, parce que sinon regardez ce que ça fait, c'est que ça met un menu ici, donc on pourra accéder directement à la page de vente, la page de capture, etc. Donc il faut cliquer ici et ne plus afficher dans la navigation. Ici qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai créé sur Google. Hop là, je vais reprendre. Sur Google Formulaire, donc Google Form, j'ai créé un formulaire. Donc Google Form, c'est gratuit aussi. Ici. Donc, il faut cliquer sur le plus là hein, pour cliquer. J'ai choisi la couleur, par exemple, mais je vais peut-être mettre plutôt un 0D, 0D, donc le noir de mon business. Et là j'ai mis un titre, j'ai mis une adresse email, j'ai cliqué ici dans les options pour dire qu'il fallait collecter les adresses email dès lors qu'on les avait pour les comptes Google. Donc ça c'est très puissant, ça me permet d'être sûr que les gens qui ont un compte Google ont le bon email. J'ai mis le nom, le prénom, donc là j'ai simplement ajouté à chaque fois une question, nom, prénom de type réponse courte, âge, et puis une petite question, que faites-vous aujourd'hui sur LinkedIn pour trouver des clients, de façon à vérifier qu'il n'y a que les gens qui sont motivés, qui remplissent cette page. Derrière, ça me permet d'avoir toutes les réponses des gens, donc vous voyez, toutes les gens qui vont remplir le formulaire, directement je vais avoir leur réponse ici. Le problème aujourd'hui de Google Formulaire, c'est que quand on clique sur envoyer, ils n'envoient pas un email automatiquement. Il faut utiliser pour ça un plugin supplémentaire qui s'appelle Email Notifications for Forms. Je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai installé. Qui me donne une option supplémentaire. Ici. Et je vais dire, en fait, sur la notification, je crée une notification d'email.
Alors comme je suis sur la version gratuite, en fait, j'ai le droit qu'à une seule règle, donc qui est déjà sur ce formulaire, et elle envoie jusqu'à 20 emails par jour. Donc avec 20 emails par jour, normalement, si vous devriez pouvoir largement convertir, et si vous n'y arrivez pas, bah, ce n'est pas une question de logiciel, hein, c'est vraiment que vous avez un mauvais message ou une mauvaise promesse. Qu'est-ce qui fait en fait ce plugin? Tout simplement, il envoie un email. Ici, on va sélectionner, donc on va dire c'est votre e-book gratuit, on envoie de la part de mon email, de mon nom, etc. Et on va sélectionner ici, on va dire je vais envoyer une notification à la personne qui remplit le formulaire. Ah, et pour l'email, on va utiliser Submitter Emails, donc les gens qui ont rempli le formulaire. Et ici, on a une option, éditer un email. Donc c'est cet email-là. On va, votre e-book gratuit est disponible. Bonjour, prénom. Là, j'ai ajouté en fait les champs de mon formulaire. Comme convenu, vous trouverez ci-dessous le lien de téléchargement de votre e-book. Cliquez pour télécharger une copie offerte. Et ici, voici l'offre de coaching de bienvenue. Tout simplement, j'ai récupéré l'URL de ma page de vente de coaching, qui est celle-ci. D'accord? Donc pour la copier, j'ai simplement fait afficher le site publié. Voilà, j'ai copié cette URL et je l'ai mise dans l'email. J'ai sauvegardé ma règle et donc gratuitement, je peux envoyer un email gratuit à toutes les personnes qui remplissent le formulaire jusqu'à 20 emails par jour. Donc voilà, il me reste que 15 personnes aujourd'hui qui peuvent remplir le formulaire. Donc quand même 20 emails par jour fois 20, ça fait 400 personnes par mois. Ça commence à être déjà une belle 400 nouvelles personnes qui s'inscrivent dans votre liste par mois. Ça commence à être quelque chose d'assez conséquent. Pour avoir la liste des réponses des emails, en fait, il suffit d'aller dans Réponses sur votre formulaire, cliquer ici donc Afficher dans les réponses de Sheets et vous avez toutes les adresses email qui sont affichées ici. Il existe, je ne vais pas vous le montrer ici, mais des modules complémentaires qui permettent ensuite d'envoyer des emails comme des newsletters à toutes les personnes qui sont dans un fichier Google Sheet. C'est une autre chose, mais on peut vraiment faire un business 100% gratuit en ligne. C'est un peu plus galère, il faut un peu plus faire de manuel, mais on peut se débrouiller à faire quelque chose de 100% gratuit grâce à Google. Donc là, j'ai ma page de capture. Donc comment j'ai fait pour insérer ce formulaire sur ma page de capture, tout simplement, bah, j'ai cliqué sur insérer formulaire ici et j'ai sélectionné mon formulaire d'e-book. J'ai cliqué sur insertion. Je vais vous le faire en live. Tac, insertion. Et je l'ai agrandi. Faut bien cliquer systématiquement sur publier pour voir les images, hein, enregistrer les modifications qu'elles soient visibles. Donc là, j'ai mis remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger votre livre blanc. Et donc, dans cet email-là, si je vous remets, dans l'email, je leur disais qu'ils pouvaient télécharger leur e-book. Donc simplement, dans le lien, j'avais récupéré le lien que je vous ai montré tout à l'heure sur Google Drive de l'e-book. Et je leur propose d'aller sur une nouvelle page qui est la page de coaching personnalisé, qui est celle-ci. Donc là, j'ai simplement fait une nouvelle page de vente. J'ai mis coaching personnalisé, j'ai inséré une image, j'ai mis un petit peu de texte grâce à cette mise en page. Ici à droite. Là, j'ai utilisé cette mise en page-là pour présenter deux offres de coaching. Et j'ai fait un bouton pour réserver mon coaching et j'envoie vers une page de paiement. Cette page de paiement-là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un lien ici. Un lien PayPal, donc un bouton PayPal. J'ai généré un bouton PayPal pour faire mon offre de coaching classique, coaching 2 heures avec 797 ou 1450 euros. Donc j'ai utilisé tout simplement une option gratuite de PayPal. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous copiez votre code, ici, il faudra remplacer top par blank. Vous allez voir, là, il y a écrit target égale top. Et moi, ici, je l'ai modifié par target égale blank. Autrement, il y a un bug avec Google Site et vous ne pouvez pas avoir le bouton ne fonctionnera pas.
Donc là, en toute honnêteté, si c'était une vraie page de paiement, etc., je mettrais beaucoup plus de choses. Je mettrais une garantie, je mettrais les logos des cartes bleues PayPal, je mettrais beaucoup de choses, je rassurerais énormément, je rappellerais qui je suis. Voilà, c'est pas une vraie page de paiement, mais c'était pour montrer qu'on peut quand même aller faire une page de paiement où les gens payent directement en ligne, juste comme ça sur un site Google Site. Et une fois que les gens ont payé, que le paiement est validé par PayPal, en fait, dans la configuration de mon bureau, de mon bouton PayPal, je leur ai dit, une fois que les personnes, on peut le faire, en fait, il y a une option. Je sais pas si je peux le voir là, mais voilà, j'ai été déconnecté sur PayPal, mais on peut leur dire de renvoyer les gens vers une page de validation de paiement. Donc c'est la page paiement validé, qui est donc la dernière ici. Et sur la page paiement validé, je dis paiement validé, j'ai hâte de commencer avec vous. Prenez rendez-vous avec moi en choisissant votre créneau, en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et en fait, j'ai créé mon petit bouton sur Calendly qui est gratuit aussi, de réunion de 15 minutes, etc. Donc là, si je copie l'adresse du lien et que je la mets dans mon bouton, si je publie et que je teste cette page, une fois que j'ai payé, j'arrive sur cette page-là, une fois le paiement validé par PayPal, je réserve mon créneau, ça m'ouvre la page de planification de flow et je dis je veux une réunion de 15 minutes le 31 à 9h30. Confirme. Et là, je prends mon rendez-vous pour le 31 à 9h30. Donc voilà, on a créé un très beau tunnel 100% gratuitement et puis il pourra vivre comme ça dès lors que vous n'avez pas besoin de plus de 20 emails par jour envoyés par le petit plugin gratuit. Après, vous pouvez payer du coup, mais là, je vous conseille plutôt de passer sur une offre type system.io à 27 euros par mois. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vendre 100% gratuitement, sans vous prendre la tête, sans rien payer, pour tester un business uniquement en utilisant Google Sites. C'est une belle découverte. Je pense que je le testerai sur des business de temps en temps. De mon côté, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si ce genre de sujet vous intéresse, si vous voulez monter votre business en ligne, si vous voulez utiliser Internet pour avoir plus de clients, si vous voulez mieux comprendre la publicité sur LinkedIn, la publicité sur Facebook, faire des pages de vente optimisées, des tunnels de vente optimisés, je vous conseille vivement de vous abonner sur la chaîne parce que c'est vraiment ce qui me passionne, c'est vraiment ce que je vais vous partager sur la chaîne. Donc cliquez sur le bouton juste en dessous, s'abonner. Et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.